liberté et pas seulement des droits de l'homme. Quelle est l'innovation wilsonienne qui nous touche, nous, sur le plan même stratégique? C'est que Wilson, en fait, va définir la frontière. Donc, je suis en train de parler de la ligne rouge, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Il va définir la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Mais la problématique, c'est comment? Et souvent, en fait, on ne met pas en évidence ni en exergue le fait qu'il a une approche totalement humaine. À savoir, alors que la frontière va être définie après le génocide, il définit la frontière comme si les Arméniens étaient encore vivants. C'est extraordinaire, ça. Essayez de voir, en fait, les tracés de frontières dans d'autres situations, vous allez vous rendre compte que souvent, ce qu'on appelle le tracé du plus fort. C'est-à-dire que là où il a envahi, finalement, ça se stabilise et on dit, bon, bah, ça sera là. Alors que là, c'est pas ce qu'il fait. Alors qu'on est après un génocide, il décide de délimiter la frontière par la culture de la terre et pas par la culture du génocideur. Bien, ça, il faut vraiment avoir du cran. Et imaginez qu'on parle de quelqu'un qui était à la Société des Nations Unies, qui a fait par la suite ce qu'on appelle maintenant l'ONU. L'ONU actuelle aurait beaucoup de mal à faire ce genre de proposition. Mais par contre, l'ONU actuelle peut soutenir ce genre de proposition quand il est bien briefé. Donc, la problématique est la suivante. On a quelque chose de vraiment d'important parce qu'on a un étranger qui est même hors de l'Europe. On est dans un point de contact de l'Asie. Il a suffisamment de connaissances pour envoyer même une commission et voir qui fait quoi. Et pour ceux qui pensent que c'est très simple, essayez de penser à la reconfiguration de la Yougoslavie et le problème du tracé des frontières entre les Serbes, Croates, Bosniaques, etc. Je peux vous dire que des fois, c'était quand même... parce que quand c'était l'ensemble du type Tito, des fois, la frontière, il faudrait qu'elle passe au milieu du village, quoi. À droite, ce serait cela, à gauche, cela. Donc, cette problématique est vraiment très importante. Et pour moi, elle n'a pas été suivie par les Arméniens. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien au fait que Wilson a cette mentalité après le génocide, et que beaucoup d'entre vous ont découvert que récemment ce qu'avait fait Wilson à l'époque, c'est bien qu'il y ait eu, en fait, un trou, et pas un continuum. Or, le continuum existe simplement... il n'était pas mis en évidence. Donc cette mise en évidence n'a pas été très claire. Et souvent, en fait, quand les gens... passe-moi ton verre d'eau. C'est très simple, en fait, en stratégie. Si vous demandez deux verres d'eau, on vous en donne un. Si vous en demandez un, on vous en donne aucun. Ça va, ça, c'est simple. Très bien. Alors là, les deux verres d'eau, c'est quoi? Là, par exemple, si vous insistez seulement sur un verre d'eau, à la fin, on finit par vous dire « Tu le veux plein ou vide ?» Un verre d'eau, quoi. Et c'est quand même la proposition qui est faite du type « Vous voulez la reconnaissance du génocide ou vous voulez l'ARSAC ?» Et il y a quand même des crétins qui répondent. Vous voyez? Parce que ça, il n'y a pas d'autre mot. Bon, donc en fait, dès qu'on se met dans cette configuration-là, ça veut dire qu'on a mis un cadre tellement faible qu'on va nous appuyer là-dessus et on va en gros nous dire, bah, soit vous abandonnez complètement les Arméniens de l'Arsac et peut-être qu'on fera quelque chose pour le génocide, soit vous abandonnez complètement le génocide et puis bon, on vous dira peut-être que c'est un truc autonome, etc. Bon, c'est une fausse problématique parce que... on demande bien plus d'eau. Mais on ne le demande pas parce que... on veut l'imposer. On le demande parce que c'est un dû. C'est totalement différent. On a souvent des problématiques du genre... oui, mais enfin, si un territoire est donné à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on va faire des autres? Ben, c'est simple.
exclurons les minorités. Quel problème? Personne ne dit, par exemple, que les revendications arméniennes, c'est du genre, si on reprend un territoire, eh bien, il n'y aura que les Arméniens. C'est ça. L'Arménien et l'arménité, c'est une démocratie dans son idée. Donc, en fait, il pourra très bien y avoir des gens qui seront étrangers sur le plan de l'arménité, bien qu'ils appartiennent à ces structures. Donc, c'est totalement différent d'une approche oui-non. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, en théorie des jeux, c'est pas simplement un jeu à somme nulle, un vainqueur et un vaincu. Hein. Donc, on peut trouver un équilibre de Nash et même de Pareto, hein, quand il y a une collaboration, en disant que pourquoi cette partie serait abandonnée. Donc, notre problématique au niveau de l'arménité est la suivante. On ne perd un territoire que lorsqu'on l'oublie. On ne le perd pas quand il est envahi. C'est une erreur. Donc certains, parmi vous, peut-être même les plus jeunes, n'ont pas conscience de cette nuance. Parce que les plus vieux leur disent que c'est raté. C'est foutu. Hein? Alors il faudrait rappeler aux plus vieux, moi je fais partie des plus vieux, hein, que en général les problèmes des plus vieux se résolvent par les plus jeunes. Mais le problème, c'est que les jeunes, il faut qu'ils sachent que c'est un problème. Que des fois, ça leur est présenté comme une solution. Et on se dit, il n'y a rien à faire. Donc après, le jeune dit, bon, ben, s'il n'y a rien à faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors que si on lui dit, on a un problème, on doit faire ça. Moi, j'aimais beaucoup, hier, en plus, les directives qui étaient données aux plus jeunes. J'étais à côté de quelqu'un qui donnait des... Tout c'est bien. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que les plus jeunes étaient capables de dire deux hymnes, à leur manière, mais c'était bien quand même d'avoir certains conseils. Bon. Eh bien, ce que je dis simplement, c'est que si les plus vieux se disent qu'on peut vraiment compter sur la jeunesse, il faudrait peut-être l'informer. Alors, pourquoi c'est une difficulté? Pour les jeunes, maintenant, c'est parce que vos vieux sont des faux vieux. Alors, je m'explique. Il n'y a aucun des vieux qui est là qui n'était au génocide. Vous voyez? Si on avait des survivants, eux, ils auraient le droit d'être les vrais vieux. Mais les autres, en fait, vous êtes simplement des anciens jeunes. Vous voyez? Ce n'est pas insultant ce que je dis. Hein. J'essaie de vous faire comprendre que, comme vous n'étiez pas présent au génocide, eh bien, vous avez appris du génocide via les présents, de la même façon qu'apprennent les jeunes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas très sûr sur certains points. Donc par exemple, moi je vois bien quand j'ai des discussions un peu plus houleuses, hein, comme avec mon ami là, et il me dit, oui mais ça c'est ma grand-mère qui me disait ça. Alors, je lui dis, ta grand-mère était géographe, géopoliticienne, géostratège, historienne. Non, c'est ambigu ça. Non, c'est ambigu. Après, il y a romancier aussi. Et puis après, il y a journaliste. Alors, laisse tomber. Donc, eh bien, il dit, bah non. Non, bah là, je lui dis, alors, tu sais, c'est son point de vue, quoi. Donc, elle était dans sa maison et elle regardait comme ça. Et pour elle, l'arménité, c'était le quartier. Oui, mais bon, le problème, c'est que la grande histoire n'est pas la somme des petites histoires. Et ça, c'est un problème. Donc, en fait, la petite histoire, elle peut être intéressante du point de vue de la famille. Voilà. Mais elle n'est pas intéressante du point de vue des preuves. Et c'est là que les officiels peuvent jouer un rôle plus important. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous regardez des photos, comme on a ici, qui sont très bien, eh bien, vous ne pouvez jamais savoir, surtout à notre époque, si c'est des photos qui ne sont pas truquées. D'accord? Donc le noir et blanc, le Photoshop, etc. Et finalement, on ne sait pas si c'est certifié. C'est ça la différence. Donc, quand on est dans une phase de revendication et qu'on passe de la résistance à la liberté, on a le processus de libération. Alors le processus de libération, il est bien plus complexe que la liberté. Ça, c'est un problème. Alors pourquoi? Parce qu'il est compréhensible que par quelqu'un qui a été occupé.
Quelqu'un qui n'a pas été occupé comprend très bien ce que c'est la liberté, ou il a l'impression de comprendre. Mais la libération, il ne comprend pas. Je m'explique du point de vue plus légaliste. Est-ce que tu es innocente? Non, bien sûr que non. Alors, je m'explique pourquoi. Est-ce que tu es allé en justice? Voilà. Donc, tu as un très bon exemple. Ça veut dire que tu n'as pas été innocenté. Donc, tu... Ah, donc finalement, tu n'es pas innocent. Un vrai de vrai innocent, c'est quelqu'un qui a été accusé, qui est allé en justice, et qui a été innocenté. Celui-là, c'est un vrai innocent. L'autre, c'est un innocent parce qu'il n'a rien fait. C'est pas pareil. Donc, vous voyez la différence entre innocent actif et innocent passif. Il y en a qui se traîne la tête. Ce n'est pas la fin de la conférence. Alors, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Donc, quelle est la différence avec le peuple arménien? Le peuple arménien, en raison du génocide, est un innocent actif. Oui. Bon. Alors le problème, c'est il est actif pour faire quoi? Des fois, c'est juste pour pleurer. Alors là, c'est raté. On se dit, ce n'était pas la peine. Vous imaginez, par exemple, tu es accusé, tu es innocenté, tu sors de prison et tous les jours tu pleures parce que tu es sorti de prison. Tu te dis, bon, on aurait dû la laisser. Non, mais réfléchissez quand même, c'est quand même assez grave. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens que leur seul problème, c'est de se dire, on s'en est sorti. Mais on s'en est sorti pour quoi faire? Par exemple, vos parents, ils étaient prêts même à se sacrifier pour que vous en sortiez, mais pour faire quelque chose. Pas simplement pour vous aller sur leur tombe parce qu'ils se sont sacrifiés pour vous. Hein? Alors après, sur la voûte de tombe, il y a écrit le fils du sacrifié. Qui n'a rien foutu. Si, il a déposé les... Imaginez. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on donne le relais, on donne le relais pour que l'autre fasse quelque chose. Bon, ok. Alors, vous ne pourriez pas être au niveau du génocide. Non. Vous n'étiez pas non plus survivant. Alors, qu'est-ce que vous devez foutre alors? Eh bien, résister pour vous libérer. Mais le problème, c'est qu'en fait, la plupart d'entre nous n'ont pas conscience qu'ils sont occupés. Occupés par quoi? C'est une bonne question. Toi, par exemple, tu es préoccupé, mais tu n'es pas occupé. Ouais. Alors, la préoccupation n'est pas un syndrome qui va provoquer de la stratégie. L'occupation, oui. Si on est occupé, c'est-à-dire que si on comprend que la terre de ses ancêtres est occupée, c'est ça, ça veut dire, hein, eh bien, on doit agir. Le problème, c'est que quand, par exemple, on a des Arméniens de diaspora, au bout d'un moment, ils sont nés en diaspora, leurs parents étaient de la diaspora, leurs grands-parents étaient de la diaspora, et finalement, ce qu'on appelle l'Arménie, c'est une sorte de vague souvenir qui est simplement une transposition et une confluence de certaines traditions. Moi, ce qui me préoccupe, c'est, en gros, s'ils étaient nés avec d'autres traditions, ils seraient autre chose, quoi. Alors là, c'est très vicieux, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la propagande avait bien fonctionné, eh bien, on aurait des génissaires. On aurait des gens qui seraient très convaincus qu'ils sont l'autre, parce qu'ils ne savent pas. Donc, les premiers territoires occupés à libérer, ce sont ceux de notre cerveau. Donc, c'est quoi cette occupation? La première occupation pour des successeurs de victimes et de survivants, c'est de se dire, on a quelque chose à faire. Alors qu'en fait, on part du principe qu'on n'a plus rien à faire. Donc, c'est un fait. Hein? On est dans le factuel. Et on se dit, ça ne peut pas changer. Alors, il serait bien, peut-être pour une prochaine fois, que vous montriez une vidéo, au moins pour les plus jeunes peut-être, parce que les vieux normalement le savent, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière dans l'espace de l'humanité qui n'a pas changé à travers le temps. Donc, si vous demandez à une société, est-ce que les frontières changent, elle dit non. Mais en fait, la société, c'est une tranche. Si vous regardez le film, ça change sans arrêt. Donc, certains parmi vous considèrent que les frontières de l'Arménie, c'est l'Arménie telle qu'elle est maintenant. Oui. Eh bien, ça sera aussi ridicule de le penser
Parce que, par exemple, dans 30 ans ou 40 ans, quand vous verrez les frontières de l'Arménie, vous direz, mais quand même, il y a 30 ans ou 40 ans, on pensait que c'était ça. Hein. Et là, vous allez vous sentir ridicule. Vous allez dire, heureusement qu'on n'y a pas cru complètement. Ou, encore mieux, heureusement que d'autres ont changé les frontières. Donc là, la problématique pour la jeunesse est la suivante. Est-ce que vous serez acteur ou spectateur? Parce qu'il faut bien vous rendre compte que vous êtes énormément influencé par les vieux, qui ont été essentiellement spectateurs. Donc un spectateur, eh bien, c'est celui qui joue au foot à la maison, qui connaît tout sur le foot, et qui est incapable de shooter dedans, dans une balle. Alors, ces gens-là, eh bien, en gros, ils vont vous expliquer tout ce qu'il faut faire en regardant la télévision. Et en réalité, rien. Si ce n'est l'organisation au niveau des chips et des bières, etc. Mais, dans les faits, ce ne sont pas les personnes qui vont vous dire « ça serait bien que tu joues au foot ». Vous voyez ? Alors, bon, j'ai transposé pour que ça ne vous énerve pas tout de suite, mais maintenant on va y aller pour l'énervement. Donc en gros, c'est les Arméniens qui, chaque fois qu'il y a une émission sur le génocide des Arméniens, ils disent à leur fille « viens voir ». Viens voir. Regarde, regarde, regarde. Non mais regarde, regarde. Et là, en fait, il faut qu'elle pleure. Pleure. Voilà. Et là, on se dit, ben voilà. Voilà. Là, j'ai transmis. On te dit, qu'est-ce qu'ils sont cons, quand même. Comment voulez-vous que ça marche? Puisque l'autre, elle ne sait pas. Elle voit des événements nouveaux. Et en gros, elle voit son père pleurer. Alors, elle se dit, bon, il faut pleurer, sans doute, hein. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun passage, aucune émotion réelle. C'est une émotion, en fait, qui est artificielle. Alors, vous avez donc ces gens-là, en gros, ils sont plus arméniens autour du 24 avril. Donc on se dit, finalement, c'est dommage que ça n'ait pas eu lieu plus souvent pour être arménien toute l'année. Vous voyez ? Donc c'est là, c'est l'équivalent, en fait, de la journée de la femme. Si vous êtes tous pour la journée de la femme, c'est que vous n'avez rien compris. C'est simplement qu'en fait, on est encore une société de retardés, et qu'on a encore la notion de la journée de la femme, alors que normalement, ça devrait longtemps faire partie du passé. Simplement, comme on oublie. Hein, vous voyez, par exemple, la journée du 1er mai, on ne sait plus qui l'a fait. Alors on a tout et n'importe quoi. Bon, alors la journée du 8 mai, elle avait un sens à une époque. Mais elle n'a pas de sens maintenant. Quand on continue, alors par contre, vous voyez, bah, moi je parle aux hommes maintenant, il faut à tout prix qu'on lutte pour avoir la journée de l'homme. Imaginez. Alors les femmes sourient là, moins. Pourquoi? Ça vous dérange la journée de l'homme? Vous voyez, si maintenant une femme dit, bah oui ça me dérange, bah, on va dire, bah, vous êtes contre les hommes, c'est ça? Mais non. C'est parce qu'on a déjà les 364 autres jours. De temps en temps, un de plus. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certains combats de certaines époques qui, quand on change d'époque, ils n'ont plus de sens. Bon, moi j'adore aussi la présence du féminisme en 2017. D'accord, mais ça ne s'appelle pas un combat, les filles, hein. Ça s'appelle une tradition maintenant, vous avez le droit. Mais je veux dire, à l'époque, c'était vraiment des choses totalement révolutionnaires. Quand on parle des suffragettes, ce qu'elles faisaient, si je vous demandais de faire ce qu'elles faisaient les suffragettes à l'époque, maintenant, il y en aura plein qui auraient honte. Je n'oserais même pas le faire. Bon, donc qu'est-ce que je veux dire par là? Au niveau de l'arménité, on est passé par plusieurs stades. Et c'est le problème des générations. D'abord, on a les survivants. Les survivants ont du mal à parler. Alors pourquoi ils ont du mal à parler? Parce qu'ils passent par un sentiment de culpabilité. C'est très bien analysé sur le plan psychologique, ce n'est pas simplement dû aux Arméniens. C'est que, en fait, en gros, ils sont coupables d'avoir survécu. Et on a des exemples de survivants qui se sont suicidés après les événements. Parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le fait qu'ils étaient encore vivants. Ils considéraient que c'est comme s'ils avaient fait une erreur, eux. C'est le comble. Bon, ensuite on a...
les premiers échanges de la différenciation. Alors, le peuple arménien a été énormément aidé, entre guillemets, attention, hein, ça n'énerve pas, mais aidé dans le sens très négatif, c'est que il a été obligé de passer en diaspora. Le fait de passer en diaspora provoque un phénomène de retour aux sources. C'est-à-dire que pour se définir en tant qu'Arménien en diaspora, il faut se définir par rapport à quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre simplement votre drapeau parce que vous êtes dans un autre pays. Vous ne pouvez pas dire simplement « je suis arménien », les autres ne savent même pas ce que c'est. Par contre, si vous dites « moi, je travaille pour la reconnaissance du génocide », là, d'un seul coup, on comprend de quoi vous parlez. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, avec la présence massive de l'arménité en diaspora, on a eu énormément de combats par rapport à la reconnaissance du génocide. Bon. Donc ça, c'était une étape. Une étape essentielle pour la formation de la troisième génération, qui, elle, commence à se dire pourquoi on a été victime, qu'est-ce qu'on compte faire, c'est quoi la prochaine étape. Et ensuite, on a les jeunes, plus jeunes, enfin à peu près votre âge là maintenant, qui commencent à revendiquer leur arménité d'abord, des fois au détriment de l'approche des parents, qui considèrent que c'est un peu exagéré, pourquoi faire tout ça, enfin bon, on sait bien, vous voyez, on sait bien qu'on est arménien. Et non, ça fait quand même depuis grands-parents que tu essayes d'insister tout le temps qu'on est, et maintenant que moi j'insiste, tu me dis, non mais n'en fais pas trop, hein, parce que, en gros, on va vous dire ensuite, oui mais enfin, tu es quand même française. Vous voyez ? Et en fait, on va avoir le problème du bi, hein, du binational, c'est vrai, c'est normal. Mais être français, ça ne veut pas dire renier ses sources. L'arménité n'est pas incompatible avec un État. D'accord ? Donc, cette problématique est différente, et le problème est le suivant maintenant. C'est quels sont les buts ? Alors, il y a une approche relativement claire, c'est de dire il faudrait que la Turquie reconnaisse le génocide. Franchement, en ce moment, même les gens qui sont vraiment dupes trouvent que cette stratégie, elle ne risque pas de mener très loin. Hein? Ou alors, il faut être vraiment bourrin, quand même. Parce que, vraiment, là, je veux dire, avec le référendum qui a eu lieu, comment ça a été fait, et, parce qu'il faut bien vous rappeler nos problèmes. Hein? Ils ont eu, en fait, un coup d'État. Et on en est arrivé au stade, nous, les Européens démocrates, à être presque inquiets pour le type qui est vraiment le dictateur. Donc moi, ce que je donnais comme exemple, même dans d'autres pays, en Grèce, à Chypre, etc., je leur disais, c'est en gros, c'est comme si on était inquiet du coup qui a été fait à l'encontre de l'attentat, à l'encontre de Hitler, en disant quand même, il a failli crever. Et on en est arrivé à ce stade-là. Qui les enfants de génocidés, hein, quand même. Et les autres qui sont ce qu'on appelle en fait les démocraties de la liberté, etc. Donc on en est arrivé à un stade ridicule. Alors ça, c'est aussi bien pour les journalistes que pour les officiels. Du genre, on était quasiment... Moi, je pense que tout le monde aurait envoyé des condoléances. Hein. Oui, mais je veux dire, est-ce que tout le monde aurait envoyé des condoléances pour Hitler ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la problématique... Erdogan l'a fait pour les Arméniens. Oui. Oui, justement. Alors, donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est la chose suivante. Il y a des changements qui se font au sein d'un État. Cet État-là, et je l'ai bien vu hier aussi, vous êtes un peu surpris, je fais référence au Kurdistan. J'étais un peu seul au niveau de... Ça a laissé la foule de marbre. De marbre, non, parce que... Je savais pas si on... Même le marbre se sculpte, ne t'inquiète pas. Alors, les Arméniens qui revendiquent des territoires ne sont pas prêts à voir le Kurdistan. C'est quand même incroyable, puisque c'est complètement révélateur. Mais maintenant, je vais vous énerver. Officiellement. D'accord ? Donc imaginez, par exemple, que vous n'y pensez pas du tout que le Kurdistan va être libre, d'accord ? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer un peu le Kurdistan, il va un peu empiéter sur des territoires arméniens. Ça ne me dérange pas, de toute façon, parce que ça n'a pas existé.
Parce que vous n'avez pas imaginé ça. C'est que le comble de l'imbécilité, ce n'est pas d'accepter d'avoir été envahi et de ne plus revendiquer, c'est que le territoire soit libéré par quelqu'un d'autre et qu'il y vive de quelqu'un d'autre parce que lui, il y a cru. Alors là, vous allez faire quoi? Vous allez faire une demande d'asile politique en territoire kurde? Non, mais il faut bien réaliser. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, c'est un exemple chypriote, c'est presque comme une blague, mais c'est la vérité. Alors, c'est la notion de Z2S, on arrivera après. Donc, on a un élément de surface en mer, et les Chypriotes considéraient qu'il n'y aurait jamais de gaz naturel dans la zone maritime de Chypre. Personne. D'accord ? Bon, nous, on fait partie des gens qui disent, mais il y en a, etc. Bon. Alors, à un moment, ce qui s'est passé, donc en 2015, donc on en a découvert hein, déjà en 2011, mais bon, en 2015, il s'est passé quelque chose de vraiment très énervant. Vous voyez ça, là, ici ? Bien, il y a un gisement super géant, qui a été découvert à la limite de la ZEE chypriote, dans la ZEE égyptienne. Hein, de mètres cubes de gaz naturel, juste à côté. Le gisement, quand vous le regardez, le 0,1% rentre en territoire, enfin en zone exclusive chypriote. Là, tous les chypriotes se sont énervés. Alors moi, j'étais en conférence à ce moment-là, je dis, pourquoi vous énervez? Vous disiez toujours qu'il n'y aurait jamais rien dans la région. C'est pas gênant que ça soit juste à côté. Enfin, ils disent quand même juste à côté. On dirait que c'est Dieu qui a fait exprès. On a fait le tracé, et là, après, il a mis gisement. Il l'a mis juste à côté, pour les énerver. Et en fait, on leur a expliqué, du point de vue géologique, que c'est juste, si c'est juste à côté, en fait, c'est qu'il y en a plein à côté. Ah, bon, bah ça va alors. Vous avez... Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, les Arméniens ne pensent pas que l'Arménie va être libérée. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'elle sera libérée de toute manière. Mais le grave, c'est qu'elle soit libérée sans qu'ils aient rien fait. Souvent, en fait, je vous rappelais le problème de la libération de Paris. Vous savez, qu'est-ce qui n'a pas été fait par les Français pour que les Français fassent partie de la libération? Parce que ce qu'ils ne voulaient pas, c'est que la libération de Paris se fasse que par les Américains. Ils voulaient quand même que, bon, nous aussi, on était là, quoi, parce qu'on a résisté, quand même, c'est vrai. Mais, bon, il y a une résistance d'un certain niveau, et puis il y a une résistance avec les chars d'assaut, etc., toute la quantité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous voyez de façon quotidienne ce que font les Kurdes en Irak et en Syrie. Vous voyez que les Américains, d'une position relativement neutre, sont passés à une position relativement active, puisqu'ils nous ont même commencé à donner des chars d'assaut aux Kurdes. Donc vous comprenez bien que c'est en train de faire quelque chose qui est différent. Alors qu'est-ce qui est différent? C'est que les Américains, ils comprennent bien qu'un territoire, il faut que ça soit fait par des gens qui y vivent. Or, les seuls qui y vivent dans certains territoires de Syrie et d'Irak, et qui sont en fait des alliés, bah, c'est justement les Kurdes qui restent. Alors certains Kurdes sont quand même des Arméniens. On appelle Kurdes parce que, du point de vue diplomatique, ça nous arrange bien et personne n'intervient là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que ce sont les gens qui sont présents. La présence, elle doit s'effectuer de façon légale. Il ne s'agit pas de faire une conquête, d'une reconquête. Mais la problématique est la suivante. Est-ce qu'on y pense ? Je vous donne l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, quand vous la regardez maintenant, vous la voyez d'un seul tenant. Vous voyez ce qu'on appelle la péninsule ibérique, avec le Portugal et l'Espagne. Mais l'Espagne que vous connaissez, c'est une Espagne qui s'est libérée après 600 ans. Elle a mis 600 ans pour se libérer, et ça s'est terminé en 1492. Bon, la problématique est la suivante. S'il s'était arrêté à 200 ans, ben vous n'auriez même pas le quart de l'Espagne. Mais vous, comme vous êtes maintenant habitué à voir l'Espagne d'un seul tenant,
et en considérant que l'Espagne, en fait, a un bord qui est un bord physique, des frontières physiques, vous trouvez que bah, l'Espagne a dû tout le temps être comme ça. Pas du tout. L'Espagne, c'était une toute petite bande dans le golfe du Lion, à un moment. Et quand ils étaient arrivés jusqu'à Poitiers, hein, bien, c'est parce que l'Espagne, il n'y avait plus rien. Hein, c'était pour ça, parce qu'il passait. Donc, pour que ça redescende et que ça redevienne ce qu'on appelle l'Espagne, on a mis 600 ans. La problématique, en fait, avec l'Arménité. L'Arménité, il faut bien vous rendre compte qu'en 1915, il y avait des choses qui ont été faites. Et, par exemple, là, on le voit. Tu as une autre carte aussi, encore ? Non, c'est celle-là. Alors, vous voyez, en fait, là, vous avez jusqu'en 1920, sur cette thématique, et on a ce qu'on appelle le traité de Sèvres. Alors, le traité de Sèvres, ça serait bien de le lire, parce qu'il est de plus en plus d'actualité, alors que le traité de Lausanne l'est de moins en moins. Alors, quelle est la différence entre ces deux traités ? C'est pas simplement les deux dates, c'est pas 1920-1923, c'est que le traité de Sèvres, bien, c'est un traité humain, et le traité de Lausanne, c'est un traité du fort. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'en fait, dans le traité de Sèvres, on essaie de respecter les gens qui étaient là, même s'ils ne sont plus là, de façon physique. Donc dans le traité de Lausanne, ben, on accepte un état de fait. Donc en fait, dans le traité de Lausanne, on a un de facto qui est devenu de jure, et en réalité, dans le traité de Sèvres, eh bien, en fait, on a quelque chose qui est vraiment l'aspect de l'humanité. Donc, quand vous entendez maintenant parler du Kurdistan, eh bien, il y a très peu d'entre vous qui sont au courant qu'en réalité, c'est les cartes du traité de Sèvres qu'on utilise. Donc, la problématique est la suivante, et je vous dis ça aussi bien en tant qu'Arménien, en tant que Grec, en tant que Kurde, ce que vous voulez, ce sont des peuples qui sont amenés à être libres dans ces régions. Alors, le problème est le suivant. Qu'est-ce que fait celui qui est de la diaspora ? Vous avez un programme, hein, c'est ça ? Non. C'est à la limite du rhétorique, parce que j'ai peur, je vois certains sourire et se disent « Oh là là, s'il faut qu'on dise qu'en plus ». Le problème, c'est la chose suivante, c'est de visualiser qu'est-ce qui se passe quand ça sera libre. Déjà, visualiser. Donc ça, c'est le problème des territoires occupés. C'est-à-dire que, imaginez maintenant que l'Arménie est libre. D'accord ? Vous faites quoi ? C'est ça qu'il faut vous dire. Et il faut vous dire si, dans les choses que vous feriez, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez faire maintenant ? Même si ce n'est pas encore libre, mais ça fait partie du processus. Donc, je vous donne un exemple par rapport à la ZEE, qui est très importante. Donc là, on la voit bien. Sur cette partie-là, dans la mer Noire, on a une partie qui peut se définir comme ZEE. On a d'abord les 12 000 nautiques, et la ZEE va jusqu'aux 200 000 nautiques. Pour vous rendre compte, comme vous êtes dans un cadre français, La France est là la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde. La première, c'est les États-Unis. La France a une plus grande ZEE que la Russie, a une plus grande ZEE que l'Australie, alors que ça paraît colossal. Alors il faut vous rendre compte que c'est dû au fait que, comme en France, il y a beaucoup d'îles dans l'ensemble du monde, bien, ces îles, à chaque fois, elles donnent 200 000 nautiques. Et pour vous rendre compte de la taille, hein, parce que c'est quand même colossal, eh bien, justement, le rang de la France est révélateur. Là, en mer Noire, en fait, il y a une partie qui appartient à l'Arménie. Mais vous voyez, en fait, si vous ne connaissez pas la ZEE, vous ne pouvez pas la revendiquer. Maintenant, il faut bien penser que les gazoducs passent par là. Il faut bien passer que les bateaux passent par là. Et comme en fait c'est de l'exclusivité économique, ça veut dire en fait que vous avez des droits financiers, économiques. Donc ce qui serait intéressant, c'est de parler avec les pays qui passent par là. Parce que si vous parlez avec les pays qui passent par là, vous pouvez lui dire, vous savez quand même, ce territoire a
Actuellement, il est comme ça, mais en réalité, c'est nous. Bien, vous allez vous rendre compte que le pays peut vous parler de façon très respectable et même intéressée. Parce que simplement, vous y avez pensé. Donc, la problématique est la suivante. Essayez d'imaginer votre échiquier arménien. Et essayez d'imaginer... Il faut que tu me dises l'heure. Hein, oui, justement. Je te vois discrètement, mais je te vois quand même. Je voyais au fond Rafik qui regardait aussi, mais... Non, moi je fais semblant de ne pas regarder, mais oui, à un moment il faut que vous me le disiez. J'y arrivais par exemple dans 10 minutes. Dans 3 minutes. Dans 3 minutes, voilà, d'accord. Alors, le but de cette conférence, ce n'est pas de vous parler du passé. C'est de vous dire qu'en fait, le futur est ancré dans le passé. Si vous regardez que le passé, ça revient en fait à couper les plantes et à regarder que les racines. Si vous regardez que les racines sont bien en place, vous allez vous rendre compte que les plantes vont donner quelque chose. Donc, il y a le problème du territoire. Ça veut dire que comme exercice, il faut faire la chose suivante. D'abord, il faut lire les articles du traité de Sèvres, qui concerne l'Arménie en priorité. Bon, enfin, si vous êtes plus fort et si vous êtes journaliste, vous pouvez lire l'ensemble, ça ne coûte pas cher. Ensuite, ça serait bien d'utiliser... la déclaration des droits des peuples autochtones. De l'avoir bien en tête. D'abord, vous allez voir un phénomène qui va vous surprendre, c'est que quand vous allez lire cette déclaration, vous allez tomber le cul par terre, vous allez dire, mais ça c'est passé, ça a été voté ça. Et il faut bien vous rendre compte que le peuple arménien, eh bien, c'est un peuple autochtone. Donc il a le droit d'utiliser ça. Ça serait bien de regarder le droit de la mer. Alors, en regardant en fait le droit de la mer, vous allez réaliser que vous avez des droits que vous pouvez revendiquer, et grâce à ça,